Et bonjour Marie Ndiaye. Bonjour. Est-ce que vous avez ancré au fil des années votre écriture dans des lieux? Est-ce que la question du lieu où vous écrivez est essentielle pour vous? La question du lieu où j'écris n'est pas essentielle dans la mesure où j'ai toujours eu le sentiment que je peux écrire n'importe où, que j'écris de la même façon que je me trouve à la campagne ou à Berlin ou dans une autre ville étrangère encore. Cela ne change rien, me semble-t-il, mais il est possible que je me trompe, ni à ma manière d'écrire, mais ni non plus au sujet, j'aime pas tellement ce mot, mais en tout cas au thème que j'aborde dans ce que j'écris. Et il est très rare que le lieu où j'écris se retrouve dans l'histoire. Ce qui fait pour vous de la littérature un territoire sans frontières? Oui, on peut le dire ainsi. Après, quand même, je me rends compte que, plus ou moins consciemment, ce que j'ai ressenti dans les lieux où j'ai écrit se diffuse malgré tout dans l'écriture, mais ce n'est pas intentionnel, en tout cas ce n'est pas quelque chose que je contrôle ni dont j'ai conscience. Est-ce que le genre que vous écriviez, des pièces ou des romans, peuvent constituer ce genre littéraire, ces genres que vous adoptez entre lesquels vous vous baladez, vous vous promenez, peuvent constituer là encore des frontières, des barrières? Ou est-ce que vous les enjambez de manière totalement naturelle, avec le sentiment qu'on peut passer d'une forme à l'autre, ça ne change pas l'essentiel de ce que l'on veut écrire et raconter? Oui, je passe d'une forme à l'autre avec la plus grande fluidité. C'est pour cela que je n'ai pas l'impression d'entrer dans un autre territoire selon que j'écrive roman, pièce ou histoire pour enfants. Même si dans les histoires pour enfants, là, c'est quand même un petit peu différent parce qu'il y a quand même des sortes de codes à respecter, des codes même moraux à respecter lorsqu'on s'adresse aux enfants. Donc là, c'est peut-être plus proche quand même d'un pas très conscient à franchir. Mais entre roman et pièce, il n'y a pour moi aucune différence essentielle. Et si on commençait quand même cette cartographie, Marie Ndiaye, à l'Est, avec le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, dirigé par Stanislas Nordet, où trois de vos pièces seront mises en scène l'an prochain. Hilda, qui a été publiée en 1999, Les Serpents, pièce de 2001, et Berlin, mon garçon, présenté actuellement sur la scène du Théâtre de l'Odéon à Paris. Strasbourg, c'est une ville frontière avec l'Allemagne, l'Allemagne où vous avez vécu, Marie Ndiaye. Et cette double culture, elle se retrouve au TNS. Je ne l'ai pas beaucoup fréquenté finalement, bien que je sois auteur associé, tant à cause de ce qui s'est produit l'année dernière que pour diverses raisons. Mais j'ai, pour le peu que j'y suis allée, je n'ai jamais eu le sentiment que l'Allemagne ni la langue allemande étaient très présente en ce lieu, non? C'est une ville frontière, très proche, on peut y basculer, on peut y aller. Il y a dans cette commande que Stanislas Nordet vous a fait de cette pièce, Berlin, mon garçon, une première adresse. C'est le point de départ de Berlin, mon garçon, ce mot qu'il vous a adressé. Ce n'est pas la ville, ce n'est pas Berlin, c'est ce mot qu'il vous glisse un jour, terrorisme. Comment vous avez retourné ce mot dans votre tête pour en faire cette pièce, cette histoire d'une mère qui part dans Berlin à la recherche de son fils? J'ai été en quelque sorte prise à mon propre piège, c'est-à-dire un peu par provocation et sans penser que ça aurait beaucoup d'importance. J'ai demandé à Stanislas de me donner une piste d'écriture et lorsqu'il m'a lancé ce mot, je me suis dit que j'aurais mieux fait de me taire parce qu'il m'a... Il m'a glacée, non pas par ce qu'il représente, mais parce que je me suis dit que je n'allais jamais réussir à écrire quoi que ce soit autour d'un mot pareil.
parce qu'il renvoie bien sûr à une actualité si récente et si présente que ça me semblait complètement étranger à ma manière d'écrire. J'ai plutôt l'habitude d'écrire sans nommer ce dont je parle et de procéder par cercle en quelque sorte autour d'un point qui n'apparaît jamais précisément. Et j'ai vraiment été très, très... Désemparée, oui. Parce que c'est un thème, et vous le disiez, un mot très présent dans l'actualité, un thème rebattu aussi, hein, dans et à cause de cette actualité ces dernières années. C'est peut-être là la difficulté de s'en emparer. Comment ne pas être trop littéral? Comment s'échapper de cette réalité? Alors du coup, comment avez-vous fait, Marie Ndiaye? Vous avez décentré le sujet? Ce dont j'ai été certaine, en tout cas dès le départ, c'est que le mot même n'apparaîtrait jamais, ni aucun synonyme de ce mot-là. Et j'étais aussi certaine que l'acte n'apparaîtrait jamais non plus, ni l'éventuel auteur de l'acte. Et j'ai très vite compris que le seul moyen pour moi de m'emparer de ce mot, c'était de le laisser dans un espace fantomatique en quelque sorte et de ne faire apparaître que des personnages qui ne savent pas ce que le terroriste éventuel est en train de préparer, ni s'il existe ce terroriste et ni s'il va passer à l'acte. C'était de tourner autour, mot, de l'encercler d'une certaine manière. Scène 3, la mère, Marina, de ce jeune homme parti à Berlin, fait la rencontre de Charlotte, l'ex-petite amie de son fils, qui vient lui raconter ce qu'elle croit être le destin funeste ou le projet funeste et terrible qu'il s'est imaginé. Dites-lui que son fils a disparu, qu'il s'est enfoncé dans la ville avec le projet, le ferme désir de ne reparaître que sous la forme d'un corps qui tue, se venge, extermine et ravage. Dites-lui que son fils a décidé de n'être plus qu'un corps efficace et souverain au secours d'une cause qu'il s'est forgée de toutes pièces, mais sans laquelle le corps, compétent, infaillible et sans valeur, n'aurait pas de raison d'être. Dites-lui que son fils, dans le secret de la ville, attend son heure. Elle dit que votre fils a quitté Berlin, Marina. Quoi d'autre? Elle a parlé longuement, Rudiger. Elle a dit qu'il est parti pour Munich, qu'il cherche du travail là-bas, dans l'industrie automobile, ou peut-être la fabrication d'électroménagers. Elle a dit aussi qu'ils sont heureux de s'aimer et qu'elle me rejoindra au moment opportun. J'entends Munich, je n'ai pas parlé de Munich. Voilà, double langage mis en scène dans cet extrait et dans cette pièce, Berlin, mon garçon, par vos soins. Marie Ndiaye, sur une mise en scène signée Stanislas Nordet. Sa disparition, celle de ce fils, laisse cette mère face à un abîme, hein, avec tous ses doutes aussi qui l'occupent. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Est-ce qu'elle est responsable de sa fuite et de ses projets? Est-ce qu'elle est responsable de son malheur? Demandez-lui ce qu'il a vécu d'effroyable à Chinon pour transporter jusqu'à Berlin un cœur aussi haineux, l'interpelle Charlotte, l'ex-petite amie. Comment imaginer ce que cette mère est en train de vivre? Vous avez choisi de la poser là. Elle est droite, elle est debout, cette mère, dans ce Berlin inconnu où elle ne part pas à la recherche de son fils. Elle attend que quelque chose se passe. Elle attend quoi? De comprendre finalement? Elle attend une sorte de révélation, peut-être qui lui viendrait non pas de la ville elle-même, mais de ce qui se passe dans son fort intérieur. Et finalement, on la retrouve, je crois, à la fin de la pièce, très différente de celle qu'on découvre au début. Ce n'est pas qu'elle dépose les armes, mais elle acquiert une force qu'elle n'avait pas en arrivant, et surtout
elle a réussi à se délester de tout sentiment de culpabilité, c'est ce qu'elle proclame à la fin. Berlin, ce Berlin diabolique, dit Marina à son arrivée, quand Rüdinger imagine ce qu'elle doit éprouver à la vue de ses rues, la laideur de ses avenues interminables bordées d'immeubles casernes, écrivez-vous Marie Ndiaye, infinie, implacablement droite, ni courbe, ni déclivité, ni rien qui tourne ne change d'avis. Qu'est-ce que vous avez éprouvé, vous, en arrivant à Berlin? Est-ce que cette ville vous convenait plutôt bien? C'est une ville pour écrivain? C'est une ville qu'il faut apprendre à apprécier parce que elle n'est pas immédiatement charmante, elle est dure, elle est âpre, elle est laide en de nombreux endroits. Et il y a cette contradiction intéressante à Berlin que cette ville rude attire la jeunesse du monde entier qui s'y sent manifestement mieux que dans beaucoup d'autres lieux autrement aimables. Une ville pour écrivains, comme je vous le disais tout à l'heure, je me sens bien à écrire dans n'importe quel endroit, donc je ne sais pas en ce qui me concerne ce que serait une ville pour écrivains. J'ai vécu d'ailleurs à Berlin, non pas dans les endroits les plus prisés. J'ai vécu à l'extrême ouest de la ville, en bordure de la grande forêt de Grunewald. Et là, ce n'est presque plus Berlin, c'est une périphérie démodée, vieillotte, résidentielle et habitée surtout par des gens d'un certain âge. Et j'aime ça, être là sans y être tout à fait. Avec ce côté peut-être un peu sec et froid que peut éprouver Marina quand elle arrive là, dans Berlin, mon garçon. Elle se retrouve à attendre, elle, la libraire de Chinon, dans ce petit appartement qu'elle a loué à un certain Rüdinger et avec lequel elle va finalement cohabiter dans cet immeuble Le Corbusier, au son des choucas. C'était bien cette idée d'imaginer des choucas au-dessus d'un immeuble Corbusier. Ils ont vraiment existé? Ils ah oui. Existent vraiment? Oui, oui, je ne les ai pas inventés. Chaque soir, et surtout l'hiver, l'automne, c'est un spectacle étrange, effrayant. Il y a des milliers de choucas qui tournoient autour de l'immeuble au crépuscule et ils criaillent d'une manière... glaçante des fois et parfois amusante lorsqu'on est d'humeur gaie, mais ça peut être terrifiant aussi. Voilà, ils parlent en tout cas une langue, ces corbeaux que vous avez saisis et captés à ce moment-là. Royan, c'est une autre pièce, c'est aussi une commande en fait. Elle a été éditée chez Gallimard, cette pièce, et c'est Nicole Garcia, je crois, qui la souhaitait, qui vous l'avait demandé. Elle devait la jouer dans une mise en scène de son fils, Frédéric Bélier-Garcia, au dernier Festival d'Avignon en 2020, puis au Théâtre de la Ville, puis en tournée. Et puis la pandémie, patatras, a tout cassé ou a tout repoussé. Alors la revoilà, cette pièce, enfin présentée au Festival d'Avignon cet été. Ce monologue, celui de Gabriel, qui est professeur de français à Royan, qui s'adresse aux parents de Daniela, cette poupée de douleur, comme vous la nommez à un moment. Une parole qui donne à entendre un sentiment de culpabilité de cette professeure, une faute qu'on a du mal à cerner. Est-ce que c'est aussi l'histoire d'une femme qui, comme Marina dans Berlin, mon garçon, tente, tel que vous le disiez tout à l'heure, de déposer les armes? Oui, elle le tente et elle y arrive peut-être mieux que Marina, dans la mesure où elle, Gabrielle, dans Royan, dès le début de la pièce, elle refuse obstinément et peut-être même violemment toute idée qu'elle serait responsable du suicide d'une de ses jeunes élèves. Et apparemment, personne n'a l'idée de l'en tenir pour responsable, mais... sans doute parce qu'elle sait ce qui s'est passé dans cette classe et peut-être que sa conscience n'est pas tout à fait claire de ce point de vue-là. Mais elle refuse en tout cas d'endosser
toute idée même d'une quelconque responsabilité qu'on pourrait vouloir lui faire porter. Quelle voix avez-vous voulu lui donner à cette femme, à cette professeure, dans ce texte, dans cette pièce Royon ? Comme c'était une demande de Nicole Garcia, pour la première fois, j'ai imaginé un personnage en ayant un visage en tête, non seulement un visage, celui de Nicole Garcia, mais aussi une silhouette, une voix, une façon de parler, une façon de se tenir, de faire bouger ses cheveux, etc. Ça m'a tout ce que représente Nicole Garcia m'a beaucoup inspirée. C'est la première fois que je travaillais ainsi et ce personnage ne serait jamais n'aurait jamais été le même si je n'avais pas eu cette image-là du visage de Nicole Garcia en tête. Et ce visage, ce grain de voix oui. a donné à votre personnage sa force aussi et ses fêlures, certaines d'entre elles. Sa personnalité en fait a aussi touché, atteint celui de votre héroïne. Il y a ce passage entre la fiction et la réalité et la fiction. On va écouter les mots de la comédienne et réalisatrice Nicole Garcia évoquer ce que la scène incarne pour elle, ce vertige. Le théâtre, c'est sa beauté, c'est cet éphémère qui est pourtant, qui ne se partage que dans la mémoire de ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont joué. Et qui pourtant, je le sais moi comme spectatrice, est tellement une chose que j'emporte, tellement une richesse de certains spectacles que j'ai vus, qui m'habitent autant que je peux convoquer aussi facilement que des grands plans de cinéma que pourtant je peux revoir souvent. Voilà, ça a marqué quelque chose et les chances qu'il y a entre un public et un acteur, la mémoire en est la trace la plus précieuse, quoi. Il n'y a pas besoin de tout mettre en vidéo. Cette sensualité de la scène, du théâtre, de ce qu'on y sent, ce passage de l'ombre à la lumière, cette peur physique qu'il y a, ce grand risque qu'on court, quoi, ce risque qu'on prend dans le regard des autres, dans ce grand œil noir dont on devine qu'il vous regarde et pour lequel on est là et pour lequel on s'expose. C'est un geste premier, quoi, un geste qui est très sauvage, je trouve. Vous l'éprouvez, ce sentiment du risque qu'évoque Nicole Garcia dans l'écriture du théâtre, ce geste théâtral, comment vous l'habitez, avec le sentiment d'être sur un point de bascule aussi, en permanence? Contrairement à ce qu'éprouve Nicole en tant que comédienne sur scène, moi je me sens protégée, en quelque sorte, par l'écriture, même si, bien sûr, les mots dits sur scène sont les miens, mais je suis quand même en retrait, je suis derrière. Et c'est toujours très troublant, mais pour moi, de la bonne manière, de se trouver confronté soudain à une lecture et à une compréhension du texte qu'on a écrit. Lecture et compréhension qu'on n'avait pas forcément imaginez, quand on fait paraître un roman, on n'a pas accès finalement au fort intérieur du lecteur ni à l'interprétation qu'il se forme de ce qu'on a écrit. Et là, soudain, c'est comme une mise à nu des sentiments que le texte a suscité chez les comédiens comme chez le metteur en scène. Et il y a quelque chose de profondément dérangeant, presque de bouleversant, en tout cas, quand l'auteur découvre soudain ce geste des comédiens et tout ce que ça m'apprend aussi, finalement. Vous vous autorisez à intervenir quand ça ne sonne pas juste ou quand ça sonne faux ou en tout cas quand ça sonne simplement différemment que la manière dont vous l'avez-vous ressenti ? Non, je ne me le permettrai pas. Ce n'est pas mon métier, je ne connais rien, ni au jeu, ni à la mise en scène. Et non, je ne me sentirais pas du tout autorisée à intervenir d'une quelconque façon. Donc ces mots, vous les donnez aux acteurs, aux metteurs en scène, vos mots, vous les leur confiez. Oui. Et ils ont toute la liberté de se les réapproprier.
Ils ont l'entière liberté d'en faire ce qu'ils veulent. Avec nous, Marie Ndiaye, jusqu'à 12h30, France Culture, il est 12h22. Dans l'actualité musicale aujourd'hui, le chanteur, guitariste, auteur, compositeur suédois Peter Van Poel, on l'avait découvert avec Going to Where the Tea Trees Are. On le retrouve aujourd'hui avec ce Memories from Saint Forget Forget. Je ne sais pas comment il faut le prononcer, de ce disque en tout cas vient de paraître sur le label BMG et c'est d'une élégance folle. Avec nous aujourd'hui, Marie Ndiaye, pour quelques minutes encore, on parle théâtre, on parle littérature et on parle de ces lieux qui vous habitent ou que vous avez habité. À la rentrée dernière, a paru votre roman « La vengeance m'appartient » chez Gallimard. Et cette fois, c'est un autre ancrage qui s'offre à nous, une autre ville dans laquelle s'inscrit aussi cette histoire, celle de cette avocate qui se retrouve face à un homme dont elle retrouve et elle reconnaît les traits, un certain Gilles Principeau. Qui était pour elle Gilles Principeau, écrivez-vous? Comment le savoir? Comment se fier à cette intuition exaltante, blessante, inquiétante qu'il avait été l'adolescent dont elle s'était éprise à jamais autrefois dans une maison de codérants qu'elle aurait été incapable de reconnaître aujourd'hui? De cette rencontre, vous tissez des fils, une histoire, mais cette fois dans cette ville de Bordeaux où vous habitez. Qu'est-ce que cette ville-là représente pour vous, Bordeaux, Marie Ndiaye? Bordeaux, plus précisément, est la ville non pas où j'habite, puisque j'habite un village situé à 70 km au sud de Bordeaux, mais c'est la grosse ville proche où je vais régulièrement. Et si j'ai situé cette histoire à Bordeaux, c'est tout simplement parce que j'ai besoin, pour faire évoluer mes personnages dans un lieu, de savoir justement dans quelle rue ils circulent, quel est le paysage qu'ils voient. Si j'habitais près de Marseille, ça se situerait à Marseille. C'est simplement que pour me représenter au mieux mes personnages et pour les rendre aussi vivants que possible dans mon esprit, il est important pour moi de savoir dans quel espace ils se meuvent. On a l'impression que plus vous connaissez les lieux, les adresses, le décor en fait de la pièce ou du roman, plus ça vous permet de faire exister le mystère, l'énigme qui est présente dans la plupart de vos histoires. Ah oui, j'aime bien cette idée, en effet. Mais il y a beaucoup de choses que je sais de mes personnages, que je garde
part de vers moi. J'ai besoin pour les rendre aussi réels que possible, puisque quand même le roman c'est ça. J'ai besoin de tout savoir de leur enfance, de leur physique, etc. Chose que je trouve pas forcément nécessaire ensuite d'écrire. Et j'ai besoin, oui, également de savoir très précisément où ils vivent et quels sont les sentiments qu'ils éprouvent vis-à-vis de cet endroit où ils déambulent. Il y a un dernier territoire qu'on n'a pas abordé, c'est celui des contes. Il y a un lien que vous tissez dans Berlin, mon garçon, entre Pinocchio et ce fils disparu. Il y a aussi du Hansel et Gretel avec cette mère ogresse dans votre dernier roman, La vengeance m'appartient. Et il y a peut-être cette place importante pour vous, on l'imagine, des contes dans votre géographie imaginaire. C'est un territoire à part où vous aimez retourner, mais pour y chercher quoi dans ce territoire de l'enfance ? Les contes m'ont vraiment formée comme écrivaine, je crois. Ils sont à la base de tout ce que j'ai écrit. C'était plus manifeste dans mes premiers livres. Ça allait peut-être un peu moins, mais il y a quelque chose d'implacable, de cruel, de fatal, de logique, d'irrémédiable dans les contes qui m'a toujours plu, qui m'a toujours fascinée. Et souvent d'ailleurs une morale trouble aussi dans beaucoup de contes qui me plaît par-dessus tout. Un peu comme dans la vie et un peu beaucoup aussi comme dans vos livres. Merci beaucoup à vous, Marie Ndiaye, d'avoir été avec nous autour de cette grande table. Merci. Merci. Berlin, mon garçon, mise en scène par Stanislas Nordet, est à voir pour l'instant avant tournée au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 27 juin à Paris. Et Royan, mise en scène par Frédéric Bellier-Garcia et joué, interprété par Nicole Garcia, sera présenté cet été à Avignon pour ce festival. La vengeance m'appartient. Enfin, votre dernier roman est publié chez Gallimard.